tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit haul avec la société Paint by Number Day. Alors cette fois-ci, j'ai pris des petits points de croix, des petites toiles. Parce que j'ai remarqué quand c'est des grandes, ça demande beaucoup de travail. Et quand on n'a pas trop le temps, comme moi, donc c'est un peu compliqué. Alors, donc, je vous montre. Alors, j'ai pris un joli point de croix avec un joli petit chat. Alors, je vais essayer de le déballer sans faire trop de bruit. Voilà. Alors, ça, c'est assez petit. Hein. Il fait 61/26. Donc, c'est une petite toile. C'est très bien. Très, très bien. Moi, ça me convient très bien. Donc, c'est surjeté sur chaque côté. Voilà. Pour éviter que vous avez la toile qui se carapate, qui s'effiloche. Alors, en premier, donc, de cette toile, vous avez le petit pompon qui rejoint donc les petites aiguilles avec la petite bague pour vous permettre de broder sans vous faire mal au niveau des doigts, parce que des fois, on se pique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez la mettre. Voilà, vous pouvez l'écarter, hein, c'est pas gênant. Voilà, c'est vachement... Comment je peux dire? Vous voyez? Hop! C'est pas une bague, hein. C'est pas une bague. Ben regardez. Regardez, je suis mariée. Si, je suis mariée. Je me suis mariée aujourd'hui. Regardez. Voilà. Et ça fait une bague? Voilà. Voilà. Alors. Allez, arrête de dire des bêtises, Christelle. Alors. Hop! Si par exemple vous voulez la mettre là, ben vous voyez, hop! Vous n'avez qu'à la serrer. C'est vraiment étudié pour la placer où vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la placer au bout du doigt. Si vous préférez, par exemple, vous tenez votre toile d'une certaine manière. Voilà, comme ça. Non, là, ça ne va pas le faire, Christelle. Non, je dis des bêtises. Si par exemple, vous voulez placer là, hop. Il faut faire attention de ne pas se pincer quand même. Voilà, hop. Vous voyez, là, j'ai mon doigt en dessous. Voilà. Donc, quand je vais piquer... Ça va me permettre de économiser mon doigt. Des fois, on le dépense, oui, avec les piqûres. C'est tout plein de petits trous. Ça vous permet de ne pas vous blesser quand vous allez piquer avec votre aiguille. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est un petit, on va pas dire un petit gadget, mais je trouve que c'est vraiment super. Bon, après, c'est déformé, hein, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, ça vous permet de faire votre broderie en toute quiétude. Vous avez un petit passant. Oh, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Bah oui, vous avez un petit passant pour l'aiguille. N'importe quoi. Bon, allez, ça suffit, celle-là. Hein. Et là, vous avez la laine. Non, vous n'avez pas Hélène. Hélène n'est pas dans le plastique. Vous avez la laine. Laine. La laine. 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 Bon, allez, laisse tomber. Jeu de mots pourri. Alors, donc, là, vous avez donc la laine qui vous permet donc de faire le point de croix. Alors, c'est un petit point de croix. Là, vous avez le petit chat. Vous avez les petites fleurs. Très, très joli. Il va être vraiment superbe, celui-là, quand il va être terminé. Voilà. Donc, là, il y a le chat. On le voit bien. Hein, le meuble. Les petites fleurs. Voilà. Bon, c'est un tout petit. Je vais essayer de m'y atteler parce que j'ai envie de faire du point de croix, mais je n'ai pas le temps. Donc, on va essayer. Si, on va essayer. Donc, je vais essayer de faire ça un petit peu le soir. Il y a des moments où je vous prépare les tutos le soir, donc quand j'en fais. Donc, des fois, je n'ai pas trop de temps. Donc, voilà. Il y a des moments quand j'ai le temps, je suis en train de vous préparer des tutos. Donc... ça demande beaucoup de travail YouTube, contrairement à ceux qui ne sont pas sur la plateforme. Franchement, c'est vrai, quand on est en dehors de ça, de tout ça, on peut pas s'imaginer la masse de travail que ça demande. Ça demande beaucoup de travail. Alors, donc après, ça reste une passion, c'est sûr, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Après, j'ai pris un joli point de croix, donc avec le petit lapin de chez Alice. Vous voyez, là, on a les petits, la petite bouche du matou, diabolique d'ailleurs. Hein. Vous avez la petite montre, le flamant rouge, je comprends pas très bien. Là, vous avez les petites cartes,
la clé. Voilà, c'est très très joli. Vous avez la petite feuille plastifiée. Vous avez également le petit repère hein, sur celui-là, il me semble. Hein. Donc là, il y a combien de... 24, 24 couleurs. Donc la toile fait combien? Je ne sais plus. Alors, donc, attendez. Si je peux vous donner la taille, ça serait bien. Donc 26 sur 26. Vous avez... Hop, la petite toile. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits. Hein. Donc 26 sur 26. C'est un petit carré. Mais 26, 26, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Pas l'impression que c'est ça. Faudrait que je regarde. Donc là, vous avez 30 couleurs. Bah alors, t'es vert? T'as envie de vomir? Bah, qu'est-ce qui se passe? Il est vert. Ah, il est vert. Il est vénère. Ah oui, oui, il est vénère. Regardez sa tête. Ah, il est vénère. Il est vert. Ah, il est vert. Vous avez toujours, comme d'habitude, la laine. Vous avez avec les aiguilles. Bon. Voilà, vous avez vraiment le kit qui est vraiment complet. Quand vous recevez les kits comme ça, c'est vraiment prêt à l'emploi, hein, à part le ciseau. Mais bon, le ciseau, on en a tout chez nous. Vous avez la petite notice au dos, comme d'habitude. Vous voyez, il vous explique également les points, comment vous pouvez faire. Après, ça reste du point de croix, hein, c'est très facile. Hein. Par contre, je voulais vous demander quelque chose, je ne sais plus. Oui, on me l'avait dit. Est-ce que vous pouvez me redire là, 14CT, ça correspond à quoi? Je ne sais plus. Et là, il y a deux à côté. Donc, pour les brodeuses, voilà, si vous pouvez me dire, je pense qu'il y a, différents. Après, il y a 12 CT. C'est peut-être les brins de laine. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Donc, si on peut éclairer ma lanterne, voilà, pour que j'allume mon ampoule, ça serait bien. Voilà, et puis la petite pochette, voilà, elle ferme bien. C'est bien. Par contre, ça, c'est un peu moins bien. Il n'y a pas vraiment de pochette. C'est sur le petit chat. Alors, voilà, il y a la petite fiche. Excusez-moi, je reviens dessus. Alors là, par contre, on ne sait pas... Alors, c'est du 11 CT. Alors, c'était l'été. Donc là, c'est pour le petit chat. Miaou. Miaou, faisait le chat. Voilà. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Alors, ensuite, vous avez celui-là. Oh, il est très, très joli. Vous voyez, 14 CT et 2. Je pense que ça doit être peut-être le fil. Ou peut-être là, il faut peut-être prendre deux brins de fil. Deux brins, pas deux brins de fil, ça n'existe pas, Christelle. Alors, ah ben voilà. D'accord. 11, utiliser 3 brins de fil. Et 14, il faut utiliser. Pour le 14 CT, il faut utiliser 2 brins. Là, j'en vois qu'un. Hein. Ah non, il y en a deux, pardon. Donc, bah, en fait, tout est noté. J'y avais pas fait attention. Voilà, tout... apparemment, il faut commencer, quand vous faites un point de croix, il faut commencer vers le centre. Alors, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours commencé sur les bords. Voilà, puis vous n'hésitez pas à repasser la toile hein, si elle est un petit peu gondolée. Ah, gondolée. C'est mieux de travailler sur une toile plate. Alors vous voyez, ce sont vraiment des petites toiles hein, que j'ai pris. Ça vous permet de prendre le... Comment je peux dire? De prendre du tissu, vous prenez du tire-fil, vous l'achetez en mercerie. Ou sur internet, hein. Et vous faites ça sur du lin. J'aimerais bien faire ça sur du lin. Parce que la toile Aïda, c'est très bien. C'est pour faire de la broderie, sur des toiles et tout. Ça, quand vous faites, par exemple, vous voyez, là, vous pouvez broder
Béatrice Potter, enfin, je ne sais pas son nom, mon petit lapin, là. Et Peter. Et Peter Rabbit Family. Donc, ça, c'est la famille de Peter. Et donc, bah, vous voyez, vous avez le modèle. Donc, ça, vous pouvez le, par exemple, sur un vêtement, sur une boîte que vous voulez offrir. Par exemple, vous voulez faire, par exemple, une grosse boîte sur la longueur ou pas, bah, vous faites la pointe croix. Après, vous faites ça en cartonnage. Ça fait super joli. Il y a de quoi vraiment faire des très très jolies choses. Donc là, c'est un 14 CT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 14 CT. Donc c'est une toile 21 sur 22. À mon avis, je crois qu'ils prennent l'écart là. Hein. La toile, vraiment la toile. Je pense pas que ça doit être sur ça. Donc il y a 18 couleurs. Je pense, si je ne me trompe pas. Donc voilà, bah, il n'y a plus qu'à hein, voilà, hein, faire des jolies choses. Vous avez la laine. Vous voyez, c'est vraiment des tout tout petits. Voilà, je me suis dit, cette fois-ci, je vais en prendre pour moi, pour les faire, mais ça sera vraiment des tout, tout petits. Parce que des très grands, j'ai pas le temps. Des petits, déjà, ça va me... Allez, ça, allez, si je fais, on va dire, un petit carré comme ça, je vais mettre au moins 2 mois, si c'est pas plus, en se mettant tous les jours. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire du point de croix. Ça me permet de pouvoir m'évader, de pouvoir faire des belles choses. Malheureusement, bah, depuis que j'ai YouTube, c'est le problème, c'est que je n'arrive plus à faire grand-chose. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué. Hein. C'est vrai que quand on fait des vidéos, on ne peut pas s'étendre sur tout, malheureusement. C'est pas possible. Les journées filent à une vitesse. J'ai l'impression que les journées, ils font 12 heures. Et à des moments, je me lève le matin, j'ai l'impression que je fais... quelques trucs et puis après hop on retourne au lit. C'est un truc de fou. Hein. Après il faudrait ne pas dormir pour pouvoir faire des choses. Non, 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 c'est pas possible. Non, non, on a besoin de dormir. Voilà, on a besoin de dormir, je le mets à l'envers. Donc voilà quoi. Donc bon, c'est pas grave. Après, moi je l'ai, même si je le fais dans 2 ans, 3 ans, parce qu'on me demande, ah Christelle, ça serait bien de faire l'étoile. Ah, ça serait bien de vous montrer. Un petit peu la finalité. Oui, ben, je veux bien, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà, il n'y a pas que le scrap dans la vie. Voilà, il faut s'occuper du logement. Il faut s'occuper des choses qu'on a à faire tous les jours. Moi, en plus, je vous ai dit, j'ai énormément de rendez-vous. Donc, bah, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais c'est pas grave. Je le mets de côté. Quand j'aurai un tout petit peu plus le temps, bah, je le ferai. Voilà, et puis bah si toutefois ah bah je l'ai mis à l'envers aussi. Je garde la chaîne si je termine une broderie ou un point de croix. Si je le termine en ayant encore la chaîne YouTube, bah je vous montrerai soit un DP, soit une toile finie. Pour l'instant, je suis encore là. Peut-être pas dans un an, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un message en me disant qu'il fallait pas que j'arrête ma chaîne. Mais voilà, c'est une grande réflexion. Je suis en train de réfléchir, je réfléchis. J'ai pas envie de l'arrêter, mais je me dis en contrepartie, il y a pas mal de choses que voilà que je n'arrive plus à faire. Donc ça me prend beaucoup, 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 beaucoup de mon temps. Donc je sais qu'il y en a qui l'aiment bien parce que ça leur permet d'avoir quelqu'un, comment dire, c'est bon, enfin les vidéos leur font du bien, ça je comprends très bien. De toute manière c'est bien, ne vous inquiétez pas, pour le moment c'est pas le cas, vous voyez je continue encore à faire des verres. Donc voilà, quand je déciderai d'arrêter ma chaîne YouTube, je vous en reparlerai. De toute manière, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je tenais quand même à remercier toutes les personnes parce que j'ai pas pu, vous voyez, même des fois répondre aux commentaires ou lire les commentaires. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal parce que bon, il y a des moments où je suis quand même assez fatiguée. Donc voilà, puis je prends des petits moments pour moi, on va pas dire pour me détendre. Mais voilà, des fois je regarde un petit peu aussi les vidéos, ça me permet de m'évader aussi un petit peu. Je comprends, hein, je comprends cette sphère, voilà, qu'on me dit, oui, Castel, le matin, je regarde tes vidéos, ça me fait du bien, ça me touche énormément. Mais bon, on avisera, voilà, on avisera, de toute manière, si bien, ça sert à rien de trop anticiper, il faut vivre le jour, le moment présent, c'est important.
Voilà, des fois on se fait des films, on se dit oui, on va faire ça, on va faire ça. Et en fait, rien ne se passe comme on veut. Donc voilà, profitons du moment présent. Là pour l'instant, je suis encore avec vous. Donc voilà, profitez du moment présent. Allez, moi je vous laisse, j'arrête de blablater, j'arrête de faire du blabla. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à consulter les infos en barre d'infos. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les éléments. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je ne sais pas si j'ai un code promo avec cette société, mais c'est pas grave. Je vous le mettrai en bas, comme d'hab. Moi, je vous embrasse bien fort, en tout cas. Voilà, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous filme les petits hauls, les petits tutos, les découvertes en magasin, les hauls. Enfin, bref, je suis toujours aussi contente de vous faire ces vidéos. Rassurez-vous, c'est pas, je le fais pas avec les pieds de plomb. Voilà, ça me fait toujours autant plaisir de vous retrouver chaque jour. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye!